السيد رابح سعد الله التقى مع السيدة سليمة زوجته وابن المرحوم عواد. Madame Aouette, vous avez certainement suivi votre mari à travers toute sa carrière de footballeur en France. Vous allez certainement nous dire, dévoiler quelques, si vous voulez, quelques secrets en matière sportive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui? Eh bien, mon mari a débuté au Stade Rennais en 33, à Fives en 33. Il est venu au Stade Rennais au début 36. Je l'ai connu en 37, nous nous sommes mariés en 38. Mais entre-temps, il avait joué 2 ans à Fives, 1 année à Alès, et c'est là qu'il est venu au Stade Rennais. Oui. Bon, nous sommes mariés et nous sommes partis sur Antibes. Oui. D'Antibes, nous sommes revenus à Rennes. Madame Aouette, notre famille, c'est Le Lièvre Suzanne. Le Lièvre Suzanne, oui. Et je crois que... Je vous laisse ce petit... Je me suis reconvertie à la religion islamique il y a 2 ans. Et quel prénom vous portez aujourd'hui? Je porte le prénom de Selima. Selima. Madame Aouette, après Fives... Oui. Votre mari a fait une carrière professionnelle. Belle carrière à Fives. À Fives, hein. Oui. Le football, qu'est-ce que lui a apporté le football? Oh, ben, beaucoup de connaissances, beaucoup de relations, beaucoup d'émancipation, si je puis dire. C'est un grand milieu, le milieu sportif. Entre les dirigeants, les supporters et tout, c'est un très grand milieu. Je crois que vous tenez un commerce à Rennes. Oui, nous avions un grand hôtel-restaurant et tous les grands clubs sont passés chez nous. Le club qui venait jouer à Rennes, automatiquement, passait chez Aoued. Je connais très bien Ben Barek. Je connais très bien l'entraîneur Cheva. Je connais l'entraîneur Batteux. Toutes les équipes venaient chez nous. Madame Aoued, qu'est-ce que vous pensez de Ben Barek? Un type très bien. Très sage, religieux, non buveur, un type très bien. Très bien. Très bien. Et ses qualités sportives? Ah, c'était l'élite à l'époque. Oui. C'était l'élite, il n'y a pas d'histoire. Contre Ben Barek, il n'y avait personne. C'était vraiment la perle noire. Rachid, Babak كان لاعب كرة قدم مشهور, لكن انت ما عرفتوش في هذيك المدة. وشنو هو الإحساس نتاعك اليوم؟ Sans avoir suivi sa carrière, compte tenu que je n'ai pas pu la vivre, j'étais trop jeune, mais je crois pouvoir dire que j'en connais énormément de choses. Il y a certaines anecdotes qui sont restées ancrées dans la ville de Mascara. Ça a été transmis non seulement à moi, mais à tous les jeunes de la ville de Mascara. On connaît sa carrière qui a été brillante. C'est un homme qui a été très respecté, qui a respecté énormément les gens. Sa carrière, ma mère pourra en parler davantage que moi, et bien effectivement. Mais c'est un personnage qui a marqué le football dans la région ouest et même hors des limites, puisqu'il a joué avant de partir en France au MCA. Parlons de Aouad en tant qu'homme, en tant que père de famille. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur lui? En tant qu'homme, c'est un type qui aimait beaucoup ses enfants, qui aimait beaucoup sa vie familiale. Et la fin de sa carrière? Je crois que ça a été tragique. Ah, la fin de la carrière a été tragique. Il était maître d'éducation physique au lycée de Mascara et il était parti jouer des jeux de compétition. Qu'est-ce que c'était? C'était l'OSU, à Tiarette. C'est les scolaires. Oui. Voilà. Oui. Ils étaient partis jouer à Tiarette et c'est en revenant qu'il s'est tué en voiture. C'est en 1965. En 5 mars 1965.